Hey, what's up les potes? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse nouveauté qui a vu le jour directement sur le site destinythegame.com. Ils vous permettent tout simplement de créer une vidéo personnalisée racontant l'histoire de votre gardien. Et franchement, c'est super bien fait, je vous conseille vraiment d'y aller faire un tour. Franchement, ça vaut vraiment le détour. Donc, tout simplement, le lien, je le mets dans la description de la vidéo. Comme ça, vous cliquez dessus, hop, terminé. Vous cassez pas trop la tête à aller chercher. Ensuite, l'étape numéro 1, il faut tout simplement rentrer votre idée. Donc, l'idée du PSN ou l'idée du Xbox Live directement. Donc, moi, je vais prendre l'idée PSN, hein, le mien. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez regarder vos vidéos à vous. Mais aussi directement aller voir la vidéo d'un pote à vous, de quelqu'un que vous aimez ou de quelqu'un que vous aimez pas, hein, peu importe. En tout cas, vous pouvez voir un petit peu tout le monde. Il suffit juste d'avoir l'idée de la personne tout simplement. Donc là, vous faites valider. L'étape numéro 2, vous choisissez votre personnage. Donc moi, j'ai un chasseur, un arca, un titan. Vous choisissez directement votre personnage. Donc je peux pas vous montrer l'étape numéro 3 tout simplement parce que je l'ai déjà réalisée avec chacun des personnages. Et qu'en fait, une fois qu'elle est réalisée, elle se refait plus une deuxième fois. C'est-à-dire que voilà, elle est faite et vous n'avez plus à la refaire. Donc là, vous choisissez en fait votre personnage, vous faites continuer. Et l'étape numéro 3, ça va être en fait une boucle qui va faire un chargement. Donc ne vous inquiétez pas, le chargement peut bloquer à 25% assez longtemps. Ça l'a fait pour moi, ça l'a fait vraiment pendant plusieurs minutes. J'ai attendu, j'étais assez patient et ça a marché. Ensuite la vidéo va s'afficher, elle va se lancer toute seule, vraiment c'est super sympa. La vidéo vous pouvez la partager sur Twitter, Facebook. Vous pouvez également la télécharger, moi j'ai pu la récupérer sur mon PC. D'ailleurs à la suite de cette vidéo je vais vous montrer directement celle de mon arcaniste. Il faut savoir que dans cette vidéo vous allez retrouver directement l'arme exotique que vous avez le plus utilisée. Donc vous allez voir, pour moi c'est la Vex tout simplement. Parce qu'en fait c'est vrai que j'ai fait le plus de frags avec la Vex. Mais voilà, j'utilise plus des armes légendaires aujourd'hui. Vous verrez aussi les meilleures choses que vous ayez fait en PVP, les petits trucs sympas en PVE, voilà, vraiment des trucs assez sympas, vous allez voir au cours de la vidéo. Je vous laisse, j'espère que ça vous a plu, ne quittez surtout pas, il y a la vidéo de mon arcaniste qui arrive juste derrière mon commentaire. Je vous dis à très bientôt les potes, prenez soin de vous, tchuss.